la littérature érotique peut vraiment être un grand boost dans notre sexualité de femme. Ça peut nous aider à développer notre sensualité, notre imaginaire, notre imagination érotique. Pour ma part, je l'ai découvert assez tôt par des bandes dessinées érotiques, mais aussi par des livres, des histoires. Et je partais dans mon imaginaire et ça me donnait envie justement de me découvrir, d'oser d'autres pratiques, de les imaginer dans un premier temps. Assez rapidement, j'ai commencé à écrire des histoires aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de les divulguer, de les partager à des femmes. Parce que je sais à quel point ça peut vraiment stimuler, booster, éveiller, contrairement à la pornographie qui peut parfois être un petit peu trop forte. En tout cas, pour ma part, c'était moins visuel. J'avais plus besoin de pouvoir imaginer, rêver, fantasmer aussi sur des situations proches de ma vie, avec bien sûr des touches de piment, des touches d'épices que je ne vivais pas au quotidien. Et c'est exactement ça que j'ai mis dans mes livres « Chemin de désir, voie de plaisir » en espérant qu'ils vous donnent plein d'idées et vous inspirent plein de fantaisies, de fantasmes à réaliser seul ou avec votre compagnon.